Je lis ce livre pour les élèves de la classe des petits de l'école maternelle Jean Massé. Trois souris en papier de Hélène Stoll-Wash. Les souris sont poursuivies par le chat. Vite, elles se sauvent. Et trouve une bonne cachette. Le temps passe, le chat ne se montre pas. Alors, les souris sortent. Regardez notre cachette, dit la première souris. Ce sont des formes découpées dans du papier. On peut fabriquer des choses avec des formes. Elle prend un carré et elle pose un triangle dessus. Voici une petite maison, dit-elle. Exactement ce qu'il faut pour une petite souris. Avec un triangle et un rectangle, la deuxième souris fait un arbre. Avec un rond, la troisième souris fait le soleil. Il reste quatre triangles. Ils ne se ressemblent pas. Pourtant, ce sont bien des triangles, car ils ont trois côtés. Une souris pose deux ronds sur un rectangle. C'est un chariot pour la petite souris qui habite dans la maison, explique-t-elle. Deux losanges côte à côte forment un livre. La petite souris pourra le lire si elle s'ennuie dans sa maison. Avec un ovale, deux ronds et huit triangles, on obtient un superbe poisson. Mais attention! Le chat aime le poisson. Cela risque de le faire venir. Et en parlant du chat, trois ronds, trois triangles, et le voilà. Quatre triangles font les dents. Comme il est ressemblant, pour un peu, il miaulerait. Mais voilà que le chat arrive, le vrai cette fois. Les trois souris s'enfuient. Et elles se cachent jusqu'à ce qu'il soit parti. Pauvre petite souris, si seulement elle n'était pas si petite, elle pourrait se défendre. Oh, mais... Avec les formes, tout devient possible. Les trois souris futées se mettent à l'ouvrage. Elles construisent trois souris en papier. Qui font peur au chat. Le chat prend la poudre d'escampette. Quel froussard! Quand il est parti, les trois souris retournent à leur jeu. Et pour la petite souris qui habite dans la petite maison, elles imaginent un succulent dîner. Bon appétit, petite souris! Et voilà, l'histoire est terminée.